tu attends à peu près 1-2 minutes jusqu'à ce que le fromage fonde. J'adore la pizza, mais quand j'arrive pas à la finir et que je la réchauffe au micro-ondes, c'est tout mou. C'est vrai, Karim, il y a des soirs comme ça où trop, c'est trop. Mais ce n'est pas une raison pour manquer de respect à ta pizza. Il y a 3 méthodes pour réchauffer une pizza et la pire, c'est effectivement le micro-ondes. C'est toujours pour ma pomme! Pourquoi? Parce que les ondes agitent les molécules d'eau, ce qui va faire chauffer ta pizza. Mais comme les parois du micro-ondes sont froides et que l'eau n'a aucun moyen de sortir, ça crée de la condensation et ça va rendre ta pizza toute molle et toute humide. Si t'as vraiment pas le choix, emballe ta part de pizza dans un peu d'essuie-tout, histoire d'absorber l'eau. Deuxième méthode, le four traditionnel. Le principe d'un four, c'est la convection naturelle. L'air est chauffé par des résistances, l'humidité évacuée par la ventilation. Le problème, c'est que ça va quand même assécher ta pizza, même avec un verre d'eau au fond du four. Bon, si t'as rien d'autre sous la main, préchauffe ton four à 230, pose ta pizza sur la plaque chaude et attends 10 minutes. Mais la meilleure méthode pour réchauffer une pizza, c'est celle d'Anthony Falco, pizzaiolo et consultant pizza. C'est simple, Karim, tu mets ta part de pizza dans une poêle, tu chauffes à feu moyen, 5-6 minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien croustillante. Ensuite, tu mets 2 gouttes d'eau, pas une de plus, à côté, un peu loin de ta part de pizza. Tu baisses le feu, tu poses un couvercle sur ta poêle ou une feuille d'alu si tu n'as pas de couvercle et tu attends à peu près 1-2 minutes jusqu'à ce que le fromage fonde. Et n'oublie pas de préparer un mouchoir, Karim, car tu vas être ému. Mais je peux aussi faire grill! De rien!